changer tout problème en promotion et en progrès au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu touches toute vie, que tu fais avancer tout le monde et que l'échelle que nous avons commencé à monter, que nous n'y arrêtons pas jusqu'à ce que nous parvenions au sommet au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés en ce temps-ci pour examiner ce qui veut dire de changer la tragédie en stratégie. Voyons Genèse 49. Et je lis verset 22. En Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Ici, nous apprenons au sujet d'un jeune homme, au sujet d'un jeune qui a permis à Dieu d'agir dans sa vie. Eh bien, quoi qu'il ait connu des problèmes, des pressions, des persécutions, des oppositions, des outrages, des difficultés, des défis. Néanmoins, il n'a pas permis à aucune de ces choses, comme un dragon, de l'entraîner et de le renverser. De par toutes choses, il avait connu le succès et le progrès que le Seigneur a réservé pour lui. C'est pourquoi nous examinons sa vie et nous allons voir comment changer notre tragédie en stratégie. Comme nous voyons ceci, je veux que vous examinez votre vie. Y a-t-il quelque chose qui vous soit arrivé et qui paraît négatif? C'est comme le monde est à l'envers. C'est comme lui, le voici en bas, il ne peut plus se relever. Cela est arrivé à Joseph. Mais il est sorti, vous en sortirez. Il en est sorti, vous en sortirez. La tragédie, les problèmes, les difficultés, la pression, le danger, quel que soit le nom, les défis se produisent dans la vie. Mais heureux est le garçon, heureuse est la fille qui ne permettra qu'aucune de ces choses de le piétiner, de le garder en bas, et que vous serez là où vous devez être. Changez la tragédie en stratégie. Le message sera divisé en trois parties. Premier point, le modèle passé des revers. Cela est arrivé aux gens avant vous. Si cela se passe aujourd'hui, ce n'est pas chose étrangère. Le modèle passé des revers. Deuxième point, le programme pratical pour le succès. La programmation pratique pour le succès. Vous pouvez reprogrammer votre vie. Vous pouvez remballer votre vie. Vous pouvez recheminer votre vie. Vous pouvez vous concentrer afin que ce succès vous soit le vôtre. La programmation pratique pour le succès. Troisième point, le progrès positif vers le sommet. Le progrès positif vers le sommet. Quel est le numéro un? Pourrais-je vous entendre? Le modèle passé des revers.
Voyons comment cela a commencé. En Genèse 37. En Genèse 37. Et quand nous voyons Genèse 37, nous allons voir comment le problème, la pression, la persécution, le modèle passé des revers a commencé dans la vie de Joseph. En Genèse 37, je lis verset 8. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. La reine a commencé cela. Après la reine, il commence à orchestrer comment l'éliminer. En verset 18. Verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se sont ligués contre lui. Ils ont tenu un conciliabule contre lui. Ils étaient en connivence contre lui. Ils projetaient comment l'éliminer. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Il ne l'appelait plus par son nom, alors il le surnommait ici. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. C'était leur projet, leur complot, leur fomentation pour éliminer Joseph. Il dit, tuons-le. Personne ne peut tuer le songeur. Il dit, personne ne peut éliminer le songeur parce que votre rêve sera accompli. Cette ambition aura lieu. Et ce sommet de la montagne, de l'échelle, vous y atteindrez au nom de Jésus-Christ. Je dis, quelque chose est arrivé à Joseph. Je l'appelle par un petit mot. Je l'appelle un problème. Que tout le monde dise problème. Il faut bien le prononcer. Problème. Mais vous savez, il y a des gens qui ont différentes attitudes par rapport au problème. Certains pleurent. Certains s'étendent par terre. Pour certains, quand le problème frappe à la porte, c'est comme c'est la fin du jeu. L'éducation, c'est fini. Pour salut, jamais. Aller à l'église, jamais non plus. Lire à la Bible, ça ne, c'est impossible. La sainteté ne peut pas avoir lieu. Et prendre une position non compromettante, jamais. Combattre pour la foi qui a été remise au sein, qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est impossible. Me voici, j'ai un problème. Et le problème les arrête. Mais pour Joseph, lorsque le problème a surgi, ce problème lui a fait quelque chose. Écrivez le mot problème. Problème. P. R. Quelle est la lettre qui suit? Il y a O. Il y a B, il y a L, et nous écrivons en anglais, il y a E, et puis M. Nous ne mettons pas E en français. Alors, quand le problème surgit, Joseph a dit, ce problème P, c'est un indicateur. Tout le monde m'indique, me doit, voici le songeur. Ils n'ont pas de songe, ils n'ont pas de rêve. Voici le songeur, ils n'ont pas d'ambition. Voici le rêveur, le songeur, ils n'ont pas de but. Voici le songeur, ils n'ont pas là où aller. Voici le songeur. Tout ce qu'ils peuvent faire, est-il là, c'est de ploter contre ma vie et de me doiter. Je dois être significatif. Mon nom est dans la bouche de tout le monde. Tout le monde mentionne mon nom.
Tout le monde a dit quelque chose de moi. Ils ne vont même pas parler d'eux-mêmes. Ils ne vont même pas parler de leur but. Ils ne pensent pas à ce qu'ils vont réaliser. Tout ce dont ils parlent, c'est de moi. Il dit, ceci est très grand. Ah, il a vu le problème comme un indicateur. Alors on le doit que voilà le champion. Voilà le songeur. Et il veut renverser cela. Et lorsque un problème vous arrive, il faut comprendre que Satan mène vers ma direction. Tout le monde me doite. Et cela montre que je suis quelqu'un. Il faut dire je suis quelqu'un. Si vous êtes un vaurien, personne ne vous considérera. Qui considère un vaurien? On voit un vagabond dans la rue, on ne veut même pas le regarder. On passe outre. Si quelqu'un qui fait un nom, quelqu'un qui progresse, et le problème est là, il voit le problème comme un indicateur. R, ça c'est un rappel. Quand le problème vous arrive, il faut vous rappeler. Il faut vous donner un rappel que le problème là vient afin de vous lancer un défi. Parce que ces gens-là voient que vous deviendrez une star, un champion. Et tandis que le problème est là, le problème vient pour vous rappeler. C'est un rappel aux opportunités. Le problème est là comme une opportunité pour vous éprouver si vous pouvez tenir ferme, si vous pouvez vous accrocher à votre rêve, si vous pouvez dire quel que soit comment le cas, qui que soit la personne, moi je vais au top. Le problème n'est qu'une opportunité. Quelle est la lettre suivante? B. C'est pour B. C'est celui qui sonne l'alarme. Celui qui sonne les sonnettes. Et du coup, réveille-toi, que développe une stratégie. Il me dit que tous ces gens-là qui sont là, bien qu'ils soient là, moi je vais passer parmi eux. Le problème, c'est pour sonner l'alarme. C'est pour m'alerter. C'est pour me dire que change ta classe. Va au niveau suivant. Alors je comprends que tu dois développer ta colonne vertébrale. Tu dois fortifier tes muscles. C'est une sonnette qui t'appelle à l'autre niveau. Elle, c'est la leçon. Il y a une leçon à tirer de ceci. Le problème est une leçon. Cela m'enseigne une leçon. Bien que les gens qui soient tout proches, quoi que les gens qui soient tout proches de moi, pas tout le monde qui est près de toi aime le progrès, aime le succès. Tout le monde veut demeurer dans la ville des vauriens, dans la ville, dans un milieu familier où tout le monde cultive la terre, que tout le monde pèse les brebis, ou bien que tout le monde vit comme ça, où tout le monde pèse les brebis. Ce n'est pas tout le monde qui vous aborde, qui va vous encourager et vous élever en haut. Le problème, et eux, ça c'est l'expérience. On doit faire des expériences dans la vie. Et vous avez besoin de ces expériences parce que les problèmes viennent, les défis viennent. Et on en fait usage, et ces entraves pour devenir très tremplin. M, le problème est un motivateur, un menteur, un entraîneur, un instructeur. C'est ce problème qui vous motive, qui vous instruit. C'est le problème qui vous supervise et qui vous forme, qui vous mesure. Regarde là où tu es et vois comment le problème est arrivé. Et le problème là va t'élever et pour t'amener au second niveau. C'est ainsi que Joseph a vu le problème. Voyez, bien que quoi que les choses là soient là, cela n'importe pas, j'avance. Les défis sont là, j'avance. Les expériences passées que j'ai faites, j'avance malgré cela. Regardez le problème comme un indicateur, comme un rappel.
comme une opportunité pour exceller. Comme une sonnette qui vous réveille, c'est comme une leçon à apprendre, c'est comme une expérience à faire, c'est comme un motivateur. Et ce problème ne va pas vous garder dans la bassesse au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'un bon amen. Deuxième point. Quel est le deuxième point? La programmation pratique pour le succès. Ah, est-ce que vous, comme d'entre vous, utilisez le laptop, le micro-ordinateur, levez la main. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je parle aux informaticiens, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui rentre, c'est ce qui rentre en ordinateur. Ce qu'on y met, c'est ce qu'on en fait sortir. Si vous ne mettez pas un logiciel dans l'ordinateur, il n'y a rien que vous puissiez faire. Si vous mettez quelque chose de bon dans le micro, quelque chose de bon en sortira. Vous devez alors mettre un logiciel dans sa mémoire. Vous devez avoir une programmation pratique. Et c'est lorsque vous mettez certains programmes, c'est ce qui en sortira. Au fait, on dit, c'est ce qu'on y met, c'est ce qui en sort. Alors, il ne faut pas remplir votre mémoire, votre esprit, des images sales, des choses mauvaises. Mettez quelque chose de bon dans cet ordinateur et de bons logiciels dans cet ordinateur et saturez-vous de quelque chose de bon. Que vous savez que par la grâce de Dieu, c'est là que je vais. Vous allez atteindre là au nom de Jésus-Christ. Comment ce Joseph avait quelque chose de bon en lui? Voyons ce Genèse 39, verset 2. Genèse 39, verset 2 et 3. L'Éternel fut avec lui. Le Seigneur sera avec vous. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que vous faites, vous entreprenez, le Seigneur va le faire prospérer. Il a fait quelque chose. Il est un faiseur. Il n'était pas un vagabond. Il se promène seulement avoir un bon plaisir, et prendre un bel air, marcher dans la rue, et seulement jouer. Et il n'est pas là pour gaspiller du temps. Et il ne tue pas son temps. Oui, tuer le temps, ça c'est tuer la vie. Il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire est de tuer le temps. Vous tuez le temps, vous tuez la vie. Vous tuez le succès. Vous tuez le progrès. Vous tuez la grandeur. Il faut accumuler le temps. Il faut accumuler le moment. Il faut accumuler la saison et faire quelque chose avec cela. Il a fait quelque chose. Il était un faiseur. Vous serez un faiseur au nom de Jésus-Christ. Au fait, quand on voit ceci, que je vous montre le mot qu'on emploie au sujet de cet homme, de ce jeune homme, voilà le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Qu'est-ce qu'il suit? Entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Oui, il a fait quelque chose. Il faut faire quelque chose chaque jour. Que chaque jour soit pour toi ou un jour de progrès. D'une activité bien réussie. Verset 21. Et je vais lire verset 22. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien
ne s'y faisait que par lui. Il est un faiseur. Oui, vous mettez quelques programmations pratiques en vous. Ça, c'est le succès. Et il était un faiseur. Chapitre 41. Chapitre 41. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon. Voyez cela, il n'était pas un paresseux, il n'était pas un fainéant, un oisif jeune homme. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, c'est ce que nous devons apprendre. Si vous allez réussir et que vous allez changer la tragédie en stratégie, il faut faire quelque chose. Regardez ici. Lorsque la tragédie a lieu, c'est quelque chose, il y a quelque chose de négatif. Cela apporte quelque chose à votre vie. Quelle est la tragédie que je vous l'illustre? Parfois, on pourrait rater une classe, une leçon, une session, une opportunité. Qu'est-ce qui était arrivé? Pourquoi vous n'étiez pas là? Pourquoi vous n'avez pas réussi en ce temps-là? C'est la tragédie. Quand la tragédie frappe, ça nous rend inactifs, passifs. On s'assied à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Vraiment, je n'ai pas réussi en ce trimestre. Je n'ai pas eu bonne note. C'est vraiment mal pour moi, très mauvais. Et on reste dans son coin. On n'est pas actif. Le diable te parle. N'es-tu pas misérable? N'es-tu pas infortuné? Tu ne peux rien faire dans la vie. Dès que tu restes là-bas, le diable va mettre ses instruments sur ta tête. Et tu vas commencer à verser des larmes, tu perdras l'appétit, tu ne pourras rien faire. En un pareil moment, lorsque la tragédie t'arrive, le cerveau ne va plus bien fonctionner, l'esprit ne va plus bien réfléchir. La seule chose pour toi est de pleurer. La tragédie. Comment changeras-tu la tragédie en stratégie? Comment changeras-tu le revers à succès? C'est en faisant quelque chose. Il faut sortir et faire quelque chose. Voyez, Joseph, au lieu de s'asseoir dans le coin là-bas à la maison et pleurer, et puis être s'endeuiller et verser des larmes, il s'est levé. Il a fait quelque chose. Il est devenu un faiseur. Il était actif. Et comme il allait par-ci par-là, alors il a quitté le palais de Pharaon pour commencer à faire ce qu'il devait faire. Vous allez faire quelque chose. Je dis, vous allez faire quelque chose. Qu'est-ce que Joseph avait? On nous a dit que le Seigneur, l'Éternel était avec lui. Numéro un, il avait Dieu. Il faut dire, j'ai Dieu. Je ne vous ai pas bien entendu. J'ai Dieu. Vous avez Dieu à vos côtés. Dieu avec vous. Il est votre Père. Jésus est votre Sauveur. Le Saint-Esprit est votre aide. Il avait Dieu. Vous avez Dieu. Numéro 2. Il avait un but. Il dit, oui, je vais là-bas. J'ai un rêve à réaliser, j'ai un but, j'ai une destinée, j'ai un lieu que je vais. Il avait Dieu. Numéro 2, il avait un but. Numéro 3, il avait un guide. C'est pourquoi Pharaon a dit, pouvons-nous chercher un autre homme que celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui? L'esprit de Dieu est là pour le diriger, pour interpréter ses rêves, pour l'orienter, et dans la sagesse aux sénateurs, aux députés d'Égypte,
a donné instruction à Pharaon. Il avait un guide. Lorsque vous naissez de nouveau et que vous êtes sauvé, après le salut, il y a la sanctification. Après la sanctification, il y a le baptême de l'Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est ce baptême dans le Saint-Esprit qui fait que le Saint-Esprit un résident en vous et il vous dirige, il vous conduit dans toute la vérité que vous devez connaître. Numéro 1, il avait qui? 2, il avait quoi? 3, il avait quoi? 4, il avait le don. Il avait le don. Il a le don d'interprétation. Alors tout cela a bien travaillé pour lui. Dieu, le but, le guide, le don. Il avait tout cela. Et cela a bien travaillé pour lui. Il a fait sortir son don. Il y a pour certains, ils cachent leur don. Ils cachent leur don. Je ne veux pas qu'on sache que j'ai un don. Je ne veux pas que quelqu'un sache que j'ai un talent. Je ne veux pas que les gens braquent les yeux sur moi que j'ai un talent, j'ai une habileté. Alors, ils cachent leur don. Mais dans le cas de Joseph, il ne cachait pas son don. Et c'était le don qui a changé la tragédie en stratégie. Vous savez, il a vu ces deux personnes en prison que pourquoi avez-vous mauvaise mine ce jour? Il dit que c'est parce que nous avons fait des rêves. Il n'y a personne pour nous interpréter ces songes. Il avait le don d'interprétation. Dites-moi vos songes. Je vais faire sortir mon don. Et cela va travailler pour vous. Faites sortir vos dons. Et votre tragédie sera changée en stratégie au nom de Jésus. Mais pour certains, je suis triste aujourd'hui à cause de cela. Je ne vais pas faire usage de mon don. J'ai échoué ce trimestre à cause de cela. Je ne vais pas utiliser mon don. J'ai faim et j'ai soif. Il n'y a personne pour pouvoir à mon besoin. À cause de cela, je ne vais pas faire usage de mon don. Oh, vraiment, j'ai perdu la chose là parce que j'ai connu une perte. Je ne vais pas faire usage de mon don. Pourquoi pas te lever et faire usage de ce don au sein de cette tragédie, de ce problème. C'est en faisant sortir ce don-là que le don-là va changer votre tragédie en stratégie au nom de Jésus. Il avait numéro 1. Il avait quoi? Numéro 2. 3, il avait quoi? 4, il avait quoi? 5, il avait la grâce. La grâce. Il avait la grâce. Que tout le monde dise grâce. Maintenant, je veux faire quelque chose. Écrivez grâce à un autre lieu maintenant, dans un coin quelque part. Et voyons ce que la grâce est. Grâce. Écrivez ça verticalement. G-R-A-C-E. Merci beaucoup. Êtes-vous prêts? Dieu, les ressources de Dieu contre les ennemis cruels. Gloire à Dieu. Tous ces cruels, les ennemis, Je ne me gêne plus. Vous n'êtes plus dérangé. Êtes-vous dérangé? Je dis, êtes-vous gêné? Tous ces cruels, les ennemis, Dieu, les ressources de Dieu, contre de cruels ennemis. Judas, Ruben, Siméon, Issachar, tous les ressources de Dieu contre de cruels ennemis. La femme de Potiphar, et tout le monde qui a dit que Joseph ne va pas avancer. Est-ce qu'il a avancé? Il dit, est-ce qu'il a avancé?
quiconque, tout cruel ennemi qui dit que vous là, soit là, vous que je vois là, vous qui me regardez là, que vous là, que vous n'allez pas avancer, est-ce que vous allez avancer? Assurément, vous allez avancer. Est-ce que vous serez au sommet? Oui. Pourquoi? À cause de la grâce. Les ressources de Dieu contre de cruels ennemis. Vous allez les piétiner. Vous allez les fouler aux pieds. Et vous serez toujours à là que vous devez être au nom de Jésus. Numéro 6, la piété. Ouais, ce Joseph, lorsque la femme l'a dit, viens, jeune homme, viens faire ceci. Il dit, non, déjà comme nous, on ne fait pas ça. Déjà comme nous, nous croyons à la sainteté, on ne fait pas ça. Nous croyons à la sanctification, nous ne faisons pas ça. Nous croyons à la pureté, on ne fait pas ça. Oui, plus pur que le diamant, je dois briller dans la vie. Et je dois briller. Je vais briller. Je brillais lorsque j'étais dans la maison de mon père. Je brillais lorsque j'allais à Sichem. J'allais vers mes frères. Ils m'ont pris avec ma tunique bigarrée. Et la chose est dans mon cœur. Je brillais. Et je suis dans la maison de. J'étais dans la maison de Potiphar. Je ne vais pas perdre mon éclat, mon salut, ma sainteté, ma sanctification, parce que je suis ici. Je suis destiné à briller. Je vais continuer à briller. Y a-t-il quelqu'un qui puisse continuer à briller là-bas? Où est-il? Je vous vois là-bas. Je vous vois là-bas. Votre vie ne va jamais s'éteindre. La piété. Et à la piété en lui. Numéro 7. La cupidité. Non, pas la cupidité. Non. La fermeté. Être ferme. Te tenir ferme. Ça veut dire que je suis ici. C'est ici que je me tiens. Et personne ne peut me pousser. Personne ne peut me changer. Il a vraiment la position ferme. C'est pourquoi finalement, sa tragédie était changée en stratégie. Et vous avez déjà cela. Vous avez Dieu à vos côtés. Vous avez un but que vous voulez réaliser. Vous avez un but, un guide, le Saint-Esprit. Vous avez un don, le talent que Dieu vous a donné. Vous avez la grâce, les ressources de Dieu contre de cruels ennemis. Vous avez la piété et vous avez la fermeté. Vous allez réussir. Je dis, vous allez réussir. Troisième point maintenant. Quel est le troisième point? Le progrès positif vers le sommet. Nous allons y atteindre. Je dis, nous allons atteindre là-bas. Je dis, vous allez atteindre là-bas. Voyons cela, le progrès positif vers le sommet. En Genèse 42, je lis verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. La face contre où? Contre terre. Maintenant, je vous pose la question. Le songe de Joseph s'était-il accompli? Vos rêves vont-ils s'accomplir? Quelqu'un a-t-il empêché Joseph? Quelqu'un vous empêchera-t-il? Est-ce que l'un des frères de Joseph a aidé Joseph? Même bien qu'il, quoi qu'il ne l'ait pas aidé, Dieu l'avait-il aidé? Quoi que personne ne vous aide, Dieu va-t-il vous aider? Tous ces gens-là qui ont comploté disant, nous allons l'éliminer. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que vos ennemis vont réussir? Les gens qui disent que moi, jamais. Regarde-moi. À Dieu ne plaise.
je ne vais jamais me prosterner à Joseph. Moi, jamais dans la vie. Ah, qu'il essaie son rêve. Moi, jamais, jamais, jamais. Je te dis, je ne vais jamais me prosterner à Joseph. Et qu'ils se sont prosternés, les gens qui disent que, toi là, toi aussi, tu crois que tu peux me dépasser et tu seras au sommet et tu seras un dirigeant et moi je vais te suivre. Loin, jamais, jamais, loin de là. Et qu'ils vont se prosterner à toi, je vous dis, ils vont se prosterner au nom de Jésus. Il était arrivé là-bas, je serai là. Je dis, moi aussi, je serai là. Ce songe sera réalisé. Ce rêve-là sera réalisé. Il faut déblayer la voie. Vous êtes prêts à avancer. Déblayer la voie. Vous êtes prêts à courir. Joseph vient. Je dis, Joseph vient. Le gouverneur vient. Le réalisateur vient. Le conquérant vient. Où est-il? Où est-elle? Où est-il? Il vient. Où êtes-vous? Pourquoi ne pas vous lever? Alors, il faut que nous te déblayions la voie. Il faut que nous te déblayions la voie. Tu viens, tu vas atteindre là-bas. Tu viens, tu vas atteindre là-bas. Il faut déblayer la voie pour Joseph. Déblayer la voie pour Joseph. Je te déblaye la voie maintenant. Viens. Et dis, Seigneur, je veux atteindre là-bas. Pourquoi ne pas ouvrir ta bouche? Voici ton jour. Voici ton moment. Chaque ennemi va quitter la voie. Tout mal va fuir ton chemin. Tout démon va quitter devant toi. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y a rien qui te dérange. Nous te déblayons la voie. Dieu va déblayer la voie pour toi. Le ciel va déblayer la voie pour toi. Jésus-Christ va nettoyer la voie pour toi. Les anges vont enlever les obstacles pour toi. Il n'y a plus d'empêchement. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. La voie est libre. Levez-vous et marchez. Vous allez réussir. Joseph a réussi, vous allez réussir. Il a réussi, vous allez réussir. Les bras éternels sont sous vous. Les promesses de Dieu sont oui et amen dans votre vie. La voie est claire. Avancez, levez-vous et avancez. Il faut reprendre vos livres. Il faut encore relire vos livres. Il faut retourner à l'école. Il faut reprendre cette profession. Il faut reprendre ce boulot-là. Avancez encore. Fais quelque chose. Que l'Esprit de Dieu vous rende fort. Que l'Esprit de Dieu, il faut vous lever. Il faut vous décourager. Il faut vous asseoir là-bas. Il ne faut pas vous endeuiller. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut vous croiser les bras. Voici votre jour. Il faut oublier le passé. Il faut vous lever et avancer. Joseph a avancé. Joseph s'est levé. Et Joseph s'est soumis aux responsabilités du jour. Que rien ne t'arrête. Que le commentaire ne t'arrête pas. Voici ton jour. Voici ton temps. C'est la saison d'activité. C'est la saison de progrès. C'est la période de performance pratique. Levez-vous et marchez. Levez-vous et dites, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je ne suis pas encore fatigué. Je ne vais jamais démissionner. Je ne vais jamais céder. Je ne vais jamais abandonner mon rêve, mon ambition, mon aspiration. Jamais. Avancez. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, j'avance. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, j'avance. Quel que soit le complot, Seigneur, j'avance. Quelle que soit la conspiration, j'avance. Quels que soient les ennemis, j'avance. Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Est-ce que vous ne vous rappelez pas que vous avez Dieu? Que vous avez Dieu? Vous avez Dieu? Quel que soit ce que Dieu fait, le Seigneur a fait réussir Joseph parce qu'il avait Dieu. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas d'inquiétude.
il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de pleurs, parce que vous avez Dieu. Vous avez un but. Vous avez un but. Vous avez un but. Vous avez un but. Il faut ramener encore le but devant vous. Il faut encore ramener le but devant vous. Vous avez un but. Vous avez un guide. Il faut vous appuyer sur votre guide. Ou pas regarder le visage des ennemis. Ou pas regarder le visage des ennemis. Alors il faut vous appuyer sur votre guide. Comme vous montez, comme vous priez, comme vous développez des stratégies, comme vous faites l'emploi du temps, comme vous prenez l'affiche et vous la remplissez, comme vous retournez au cours, comme vous allez performer, comme vous allez agir, comme vous allez faire vos devoirs, ou pas regarder les comploteurs, les ennemis, mais il faut regarder votre guide. Il faut regarder votre guide. Vous avez la grâce, les ressources de Dieu contre de cruels ennemis. Vous allez les vaincre tous. Vous allez les vaincre tous. Vous allez les vaincre tous. La grâce. La grâce. La grâce. La ressource de Dieu contre de cruels ennemis. La piété. Gardez la piété. Gardez la sainteté. Gardez la sanctification. Gardez la pureté. Gardez cela. Accrochez-vous à cela. Il ne faut pas permettre. Il ne faut jamais, 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 jamais permettre à quelque chose de tripoter, de saler, de souiller, de déprécier la sainteté, la sanctification, la piété, la fermeté. Accrochez-vous fermement à cela. Restez tenace là-bas. Restez tenace là-bas. Il ne faut jamais permettre à quelqu'un, à rien, de faire déplacer votre concentration. Lorsque vous vous levez pour vous déplacer, lorsque vous vous levez pour avancer, toute chose va quitter devant vous. Il faut dire cela au Seigneur. Il faut le dire au Seigneur. Je change ma tragédie en stratégie. Soyez actifs. Performez. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire quelque chose. Il faut performer, il faut faire quelque chose. Il faut performer. Il faut agir. Il faut agir, faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. De tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre volonté, de toute votre fermeté. Disant, Seigneur, rien. Rien. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Il faut tout votre courage, tout ce que vous avez, votre cœur, votre vie, votre volonté à cela. Il dit, Seigneur, moi, je vais réussir. La fermeté. Ténacité, rester ferme, l'intrépidité, sans céder. Priez, priez de tout votre cœur. Arrêtez les pleurs, arrêtez les larmes, disant Seigneur, l'heure a sonné pour moi de me lever et avancer. Et donnez votre cœur, votre âme, de tout ce que vous devez faire. Vous étudiez. Et votre profession, votre carrière. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je commence. Cette tragédie, je vais changer cela en stratégie.
ce revers, je vais chercher cela à succès. Je veux faire ça. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. L'activité. Une activité résolue. Une activité planifiée, projetée. Une activité positive. Une activité pratique. Une activité programmée. Une activité bien prioritaire. Une activité progressive. Une activité, un but de prière. Avancez. C'est ainsi que vous changez la tragédie en stratégie. Rien ne vous arrêtera. Ayez plus de cette grâce. Plus de cette grâce. Plus de cette grâce. Les ressources de Dieu contre de cruels ennemis. Levez-vous et avancez. Levez-vous et travaillez. Levez-vous et avancez. Priez le Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Prêt à aller. Prêt à avancer. Prêt à me déplacer. Prêt à prier. Prêt à performer. Prêt à agir. Prêt. Prêt. Rien, 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 rien ne peut vous arrêter. Dites-le au Seigneur, vous décidez ce jour. Et la décision que vous prenez ce jour, votre décision que vous prenez ce jour, vous ne serez jamais dissuadé de cela. Ayez le cœur de réussir, l'esprit pour réussir, ayez la volonté de réussir, la décision de réussir, la résolution, soyez résolu, soyez décidé, déterminé. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Soyez résolu au sujet de cela. Qu'aucun ennemi, qu'aucun persécuteur, qu'aucun opposant, apparemment puissant, ne peut vous déranger. Quand vous levez, ils vont quitter la voie. Quelle que soit la faiblesse du passé, délaissez cela maintenant. Quel que soit l'échec du passé, délaissez cela maintenant. Quel que soit l'inquiétude du passé, la tristesse du passé, la faiblesse du passé, l'échec du passé, de laisser cela maintenant. Et dites, voici l'heure de me lever, voici l'heure pour me lever, voici l'heure d'avancer, voici l'heure de faire face au nouveau jour, voici l'heure de faire face au nouveau défi. Restez bien debout, redressez vos épaules, regardez devant vous. Et fixez votre esprit sur le but, disant, oui, Seigneur, j'avance. Oui, Seigneur, j'avance. Avancez. 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 Il ne faut pas rester sur place. Voici le jour
pour ceux qui se déplacent et ceux qui vont ébranler, avancer. Voici le jour pour ceux qui vont ébranler et ceux qui vont bouger. Il ne faut pas permettre à aucun ennemi, à aucun persécuteur, à aucun opposant de vous arrêter. Faut pas vous fatiguer, faut pas vous fatiguer. Le jour est le jour pour mettre tout ennemi sous vos pieds. Chaque défi sous vos pieds. Chaque revers, chaque échec sous vos pieds. Chaque problème sous vos pieds. Chaque défaite est sous vos pieds. Voici le jour pour décider. Pour décider. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Décider. Tel que Joseph, il avait Dieu. Il avait un but. Il avait un guide. Il avait la grâce. Il avait la piété. Il avait la fermeté, l'intrépidité. L'intrépidité. Il avait la fermeté. Et vous avez le don. Il faut faire usage de vos dons. Il faut faire usage de ces dons. Il faut les faire sortir. Il ne faut pas les laisser être là, inertes. Et commencer à pleurer. Continuer à pleurer. Ceci, en un pareil moment, en une telle période, c'est un temps, une saison d'en faire usage. Et de faire usage de ce don. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les conquérants inarrêtables, au nom de Jésus, nous avons prié. Et si vous savez que la voie maintenant est déblayée et que la voie au progrès est claire, au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous savez que vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur les démons et sur les esprits, si vous savez que vous allez marcher au sein des difficultés, dans la vallée, sur la montagne, partout, et vous allez à ce sommet, vous allez à la grandeur, vous allez à ce sommet, je dis, au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, les réalisateurs et les concurrents. Est-ce qu'ils sont là? Je ne sais pas s'ils sont là. Je les cherche. Les réalisateurs et les concurrents. Et maintenant, nous allons donner un amen de réalisateurs et de concurrents. Au nom de Jésus, nous avons prié. Laissez les mains levées. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je viens à toi maintenant et je veux déclarer maintenant. Nous avons tout le courage dont nous avons besoin. Nous avons la conviction dont nous aurons besoin. Nous avons la consécration dont nous aurons besoin. Nous avons tout maintenant. Nous n'allons plus rester étendus par terre. Le temps de pleurer est passé. Le temps de verser les larmes est passé. Le temps de rester là-bas par terre est passé. Le temps d'oisiveté est passé. Le temps de pleurer est passé. Maintenant, en haut, nous nous levons maintenant pour courir au nom de Jésus. Nous n'allons plus rester en bas là-bas. Nous n'allons pas regarder en bas. Nous n'allons pas retourner. Nous allons avancer
et aller devant nous au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que la voie est claire maintenant. Nous sommes prêts à courir, la voie est claire. Nous sommes prêts à avancer, la voie est claire. Nous sommes prêts à monter, la voie est claire. Nous sommes prêts à réaliser, la voie est claire. J'amène chaque fille, chaque garçon qui entend ma voix. Partout il se trouve. Oh, je joins ma main à votre main. Je vous prends par la main. Je vous amène au sommet. Nous allons au sommet. La voie est claire. Il n'y a rien qui se tient devant nous. Nous allons arriver au sommet ensemble au nom de Jésus. Comme j'ai réussi, vous allez réussir. Comme j'ai fait le progrès, vous allez faire le progrès. Partout où je vais, vous aussi, vous y irez. Et nous tous ensemble, nous allons célébrer la victoire sur le sommet de la montagne au nom de Jésus. La tragédie est partie. L'inquiétude n'est plus. Les pleurs ne sont plus. La tristesse n'est plus. Le succès est bienvenu. La victoire est bienvenue. Le bonheur est bienvenu. Le progrès est bienvenu. La prospérité est bienvenue. La joie est bienvenue. Nous allons célébrer notre succès à partir de ce jour jusqu'à l'arrivée de Jésus au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci et que Dieu vous bénisse.